Après le centenaire consacré dans le dernier vidéo magazine à Olivier Debray, c'est un nouveau centenaire qui est évoqué dans ce numéro. Il s'agit du centenaire consacré à Ipoustegui, le sculpteur de son vrai nom Jean Robert, qui a pris le nom de sa mère basque, Ipoustegui, et désormais va signer Jean Robert Ipoustegui. Après avoir passé l'essentiel de sa vie après 1946 en région parisienne, à Choisy-le-Roi, Jean-Robert Ipoustegui retourne dans la Meuse, son pays d'origine. Et c'est dans cette région qu'est actuellement célébré le centenaire de sa naissance, avec 8 expositions qui abordent les différentes facettes de son travail. Pour celui qui fut certes dessinateur, mais surtout sculpteur, c'est un sort particulier car Ipoustegui était plus réputé à l'international que dans son propre pays. Et ce centenaire donne l'occasion de rétablir une certaine justice dans cette notoriété pour une œuvre considérable, avec les monuments de taille impressionnante que l'on peut trouver dans un certain nombre de grandes villes en France. Lorsque j'avais eu la chance de le recevoir il y a 25 ans, dans le cadre de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, Ipoustegui me disait « Il faut faire une œuvre comme si on ne devait jamais mourir et faire une sculpture comme si c'était la dernière. » Quand j'étais tout enfant, si on me posait la question, je ne répondais pas. J'avais des cousins qui voulaient être mécaniciens ou autre chose, de locomotive, enfin des... Dans la classe ouvrière, des qualifications tout à fait mirifiques, n'est-ce pas? Et moi, je ne répondais pas parce que je voulais être peintre. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais être peintre. Donc, à 18 ans, avec cet homme-là, je me suis mis à la peinture à l'huile. Et autant j'étais heureux en dessinant, autant la peinture à l'huile. Je sentais un manque quand je peignais. Il a fallu que après la guerre, je me trouve à Choisy-le-Roi, où j'habite toujours, dans un grand jardin, où là, de moi-même, je me suis amusé à travailler le plâtre, le ciment, et là, j'ai tout de suite eu le sentiment d'un bonheur intérieur quand je le faisais. Donc, petit à petit, j'ai quitté la peinture, il manquait toujours j'avais toujours une couleur de trop, il m'en manquait une. Enfin bref, ce qui ne m'arrive jamais en sculpture, où j'ai l'impression de résoudre mon problème. Donc j'ai un certain bonheur en travaillant. La grande mode, quand j'étais un jeune homme, que je sortais de la guerre, c'était le début de l'abstrait. Et on était cravaché à l'école à parler d'abstrait. Moi, ça ne marchait pas tellement. Alors, je trouvais un biais. Je faisais des villes, par exemple. J'appelais ça ville, j'appelais ça mycène, j'appelais ça cume. C'était en fait des agglomérations de formes qui étaient abstraites. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de justifier le titre par quelque chose. Il fallait que ça ne soit pas en fait abstrait dans ma tête. Mais après un voyage en Grèce, alors j'ai tout laissé tomber, parce que j'ai dit après tout, je ne vois pas pourquoi que je m'embête à me forcer à ne pas faire ce qu'en fait j'ai l'intention de faire. Et de ce jour-là, j'ai renvoyé l'abstrait à mes chères études, quoi. Et j'ai continué à... Là, je me suis attaqué à l'anatomie humaine. Pour qu'une sculpture soit aboutie, pour moi, il faut qu'elle me rende heureux. Bon, je ne cherche pas à rendre un autre heureux, ni qu'il acquiesce ou non, qu'il me vomisse ou non. Et après tout, je suis à peu près fait comme les autres humains. Donc il y a des gens, en fait, quand je fais ma sculpture, qui, d'une façon spontanée, vont l'aimer, ou d'une façon spontanée, vont la détester. Donc j'ai pas à me soucier s'il faut que je coupe mon affaire en 3 ou 4, que je fasse que je concilie à droite, à gauche, c'est pas de la politique.